Feux de forêt au Canada, vagues de chaleur au Pakistan. L'arrivée de l'été nous rappelle que les conséquences du changement climatique sont réelles et impactent déjà des millions de vies. Au Canada, ce sont des centaines de milliers d'hectares qui sont déjà partis en fumée. Ces feux de forêt n'ont jamais été aussi ravageurs si tôt dans la saison et durent depuis maintenant plus d'un mois. La fumée de ces feux se propage sur tout le continent et l'air est devenu irrespirable dans de nombreuses villes nord-américaines. Au Pakistan, les vagues de chaleur extrêmes touchent d'autant plus les populations les plus pauvres qui sont forcées à travailler dans des conditions extrêmes et inhumaines. À Jacobabad, une des villes les plus chaudes du monde, des températures allant jusqu'à 52 degrés ont pu être enregistrées en 2021. Et deux ans plus tard, la situation n'a pas beaucoup évolué. Le 20 mars 2023, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publie un rapport dans lequel il mentionnait que le réchauffement de la planète dépassera très certainement les 1,5 degrés d'ici à la fin du siècle. Alors, 1,5 degrés, on pourrait croire que c'est pas grand-chose, mais l'augmentation de la température ne sera pas la même partout. Cette légère augmentation pourrait représenter une augmentation de 5 degrés au pôle Nord, entraînant une série de catastrophes naturelles, ou une augmentation de 8 degrés dans des villes comme Bruxelles ou Paris. Et 8 degrés, c'est clairement pas négligeable. Même si ça peut paraître un peu catastrophique, dit comme ça, nous avons encore les moyens de limiter ce changement. À travers des actions individuelles, par exemple, indispensables, mais totalement insuffisantes si les gouvernements et les entreprises ne mettent pas en place des politiques et des pratiques contraignantes en faveur de la transition écologique. Les États doivent prendre leurs responsabilités afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, sortir des énergies fossiles et enfin entamer une vraie transition énergétique, sociale et juste. Adélaïde Charlier, jeune activiste belge pour la justice climatique et sociale, a accepté de répondre à mes questions. Qu'est-ce que les États doivent mettre en place de manière urgente afin d'entamer une vraie transition énergétique, sociale et juste ? La première chose à dire, c'est que des experts, des scientifiques travaillent sur cette question de la solution face à l'urgence climatique depuis hyper longtemps. Et là, je peux t'assurer qu'il y a de la matière pour les États. Je pense qu'il y a deux parties à prendre en compte quand on veut faire face à l'urgence climatique. D'abord, il y a la prévention. Donc essayer d'avoir moins d'impact dans l'urgence climatique. Pour ça, il faut essayer de plus émettre trop de CO2, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et la première cause de ces gaz à effet de serre, c'est notre utilisation des énergies fossiles. Donc première chose qu'un État comme la Belgique peut faire, c'est arrêter de financer, de subsidier les énergies fossiles. Parce que par exemple, en Belgique, quand on met du kérosène dans un avion, c'est pas taxé. Et pourtant, ça serait de l'argent qui pourrait aller dans des transports en commun. C'est vraiment nécessaire. La deuxième partie qui est essentielle aujourd'hui, c'est la réparation. Parce que l'urgence climatique a déjà un impact sur des communautés à travers le monde entier. Et donc ces communautés ont des demandes très précises. Premièrement, de mettre en place des mécanismes de financement pour qu'ils puissent faire face à ces conséquences climatiques. Et dans ce mécanisme de financement, la première chose à faire, c'est d'annuler leurs dettes à tous ces pays qui ont très très peu contribué à l'urgence climatique et pourtant qui aujourd'hui en souffrent le plus. Les entreprises ont, elles aussi, leur rôle à jouer. Dans ce contexte où les effets du changement climatique impactent déjà des millions de vies, on ne peut plus ni financer ni mettre en place de nouveaux projets qui aggraveraient le changement climatique et les inégalités sociales qui y sont intrinsèquement liées. Pourtant, c'est exactement ce que compte faire Total Energy avec son projet ICOP, un oléoduc de 1444 km de long qui transportera chaque année 10,5 millions de tonnes de pétrole. Ce sera le plus long oléoduc chauffé du monde. Ah oui, parce qu'il sera chauffé à 50 degrés 24 heures sur 24 pour ne pas que le pétrole durcisse. Un seul incident et c'est la catastrophe. Quels sont les risques liés au projet ICOP ? Le projet ICOP, c'est un projet du passé. Il faut imaginer 400 puits de pétrole dans une zone riche en biodiversité. Un écosystème qu'on doit clairement garder quand on fait face à la sixième extinction de masse et face à l'urgence climatique. Ensuite, ce pétrole, une fois qu'il est sorti du sol, il va être chauffé à 50 degrés sur la distance des 1440 km. Ça, c'est la distance entre Bruxelles et Barcelone. C'est énorme. Et pour installer cet oléoduc, évidemment, il faut bouger les gens qui vivent sur le terrain. Et là, il y a des questions de droits humains qui n'ont pas trop été respectées. Une fois que le pétrole est arrivé à bon port, eh ben là,
on va l'utiliser. Donc au jour où l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'on ne doit surtout plus sortir un seul gramme de pétrole du sol, eh ben on le fait encore. Ce pétrole va être utilisé et ensuite, ben des gaz à effet de serre vont continuer à être émis et donc on va continuer à accélérer l'urgence climatique. Tu l'auras compris, les États et les entreprises ne semblent pas encore entendre les alertes du GIEC. Alors c'est à nous de leur faire entendre nos revendications. Si tu veux agir contre ce projet climaticide, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site stopicup.net où tu pourras envoyer un mail aux banques et aux assurances qui financent ce projet. Parle-en autour de toi afin d'augmenter nos chances de faire pression pour que ce projet destructeur ne voit pas le jour. Quant à moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Freely. Was on my shoulder.